Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, on y va pour le sommaire. Un incident dans un hôtel du littoral Est qui accueille des patients en quarantaine au centre d'une enquête à la santé. Un frontliner aurait consommé une substance illicite et aurait eu un changement de comportement soudain. C'est une patiente qui lui aurait remis le produit. L'employé a été conduit d'urgence à l'hôpital Brunswickois, témoignage dans ce journal. Les habitants de Valépito testés positifs à la Covid-19 auraient pu être contaminés par des employés de la Wastewater Management Authority lors des interventions sur le terrain concernant le système de tout à l'égout. Affirmation du ministre de la Santé Kailesh Jagatpal cet après-midi lors du National Communication Committee. Pendant ce temps, un nourrisson de 8 mois testé positif à la Covid-19, son père est employé à la WMA. Toute une famille admise en centre de traitement, 5 personnes au total. Les écoliers ayant pris part aux examens du PESAC connaîtront leurs résultats demain. Dispositif spécial mis en place pour récupérer les result slips. Si votre enfant fréquente une école dans la zone rouge, détail tout à l'heure. Le jockey Raidurawan libéré sous caution, il lui est reproché d'avoir enfreint la Quarantine Act le jour des funérailles du jockey Nourish Jaglal alors qu'il faisait partie des jockeys dans la haie d'honneur au Champ de Mars. Sport affiche alléchante ce soir pour la finale de la Ligue Europa. Villarreal affronte Manchester United, les fans de Manu confiants. Culture, nous parlerons du premier concert en ligne, les salles de concert fermées, mais la musique transcende les barrières. Esquisse de Paris Festival lancé par Motica est prévu ce samedi 29 mai. Le ministère de la Santé recherche des informations auprès d'un établissement hôtelier de l'Est après un incident qui s'est produit dans la nuit du 21 mai au 22 mai. Un frontliner se baladant sans vêtements dans l'enceinte de l'hôtel raconte d'autres patients en quarantaine. Cet employé de l'hôtel engagé auprès des patients en quarantaine a eu un changement de comportement subit dans la soirée. Selon des collègues de l'employé, il aurait consommé des produits illicites que lui aurait remis une patiente en quarantaine et l'employé était devenu incontrôlable. Le médecin affecté à cet hôtel l'aurait ausculté et remarqué un changement de comportement. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital psychiatrique de Beaubassin. Il est toujours sous observation. Les autorités recherchent des informations pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Un des patients en quarantaine raconte ce dont il a été témoin. En fait, moi, je suis en quarantaine. Là-bas, nous avons quand nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose en frontline. Nous avons fermer une cigarette pour nous, quelque chose d'essentiel. Des fois, nous avons besoin de la boisson aussi. C'est un jour qui nous en prend, c'est un garçon. Lui, c'est lui aussi qui nous permet de faire affaire. Cigarette, tout ça là. Mais nous en prenons à travers l'autre. C'est une madame qui se met en baron la drogue. Elle a contact avec un démon positif. Elle vient de la quarantaine. Elle fait sa garçon là. Amène la drogue synthétique et man comprimé comme Nova. Là, il est vite sa garçon, on a envie de mettre un programme de sur la SAM. Quand sa garçon a mis un nicha avec lui, sur le lendemain, la garçon a mis une reste de nicha, puis commence à tourner, puis commence à tourner dans le thé, puis rentre dans une passion de la SAM. Là, nous n'en prenons qu'à travers sa main de sa garçon, même qu'il prend sa garçon, il amène de bras en ses corps. Et le ministère de la Santé attend les résultats des tests toxicologiques de l'employé d'hôtel. Ces tests diront s'il a consommé de la drogue. Les caméras de surveillance seront visionnées du côté de l'établissement hôtelier. Dans un communiqué émis, la direction parle d'un souci de santé de son employé le samedi 22 mai. Le médecin sur place, après consultation, a préféré l'envoyer dans un établissement hospitalier pour se faire soigner. L'hôtel affirme que le centre de quarantaine
est sous stricte surveillance et dispose d'une équipe de la force policière sur le site 24 heures sur 24. Seul le personnel médical du ministère de la Santé est en contact avec les personnes en quarantaine, peut-on lire dans ce communiqué. Les frontliners de l'hôtel respectent scrupuleusement toutes les consignes du protocole sanitaire. Fin de citation. Les employés de l'organisme parapublic Wastewater Management Authority pourraient être les super propagateurs de ces 29 cas recensés autour du cluster Wastewater. Le lien est fait entre les cas de Valépito et les employés de la WMA. Des familles avaient reçu la visite de ces employés pour des interventions au niveau du système de tout à l'égout. Le ministère de la Santé a affirmé cet après-midi que ce lien est confirmé. Il a appelé d'ailleurs les familles qui ont reçu la visite des employés de la WMA ces derniers jours à se faire connaître au 89-24 en extrait. Nous finissons réussi faire un lien entre Ben, car qui nous finissons tester positif dans Wastewater Management Authority et des cas qui finissent détectés à Valépito. Ça, des derniers jours-là, comme on connaît, nous faisons gagner des cas qui dans la communauté qui finissent détectés et ben des gens qui restent dans Valépito. Et en effet, dans ce cas-là, nous finissons apprendre qui ben employé de Wastewater Management Authority qui type travaille à Valépito et tout ça là est en contact. Alors là, nous aussi trouvons qui ben travailler Wastewater Management Authority qui finit testé positif, mais le ministère de la Santé peut continuer de travailler pour guetter un coup et ce qui est là encore ben, les autres liens. Dépistage, je suis capable de dire que nous finissons faire un communiqué ce matin. Dans ce communiqué-là, nous finissons demander ben des gens dans la région de Port-Louis, surtout qui pensaient qu'ils ont fini en contact avec ben employé de Wastewater Management Authority pendant ça, des dernières semaines-là, qu'ils ont contacté le hotline 8924. Comme ça, si arrivé un employé de Wastewater Management Authority, tu viens dans la cour, tu viens travailler avec eux, ils ont fini en contact avec 8924. Quand je peux téléphoner, nous, bien sûr, nous pour aller, nous pour faire 20 tests. Depuis ce matin, nous finissons recevoir 40 calls à peu près avec ben des gens qui pensaient qu'ils étaient en contact, qu'ils étaient passés par faire un ennui, mais quand ils deviennent de l'avant, ça fait à nous permettre de nous faire ce test et en même temps connaître attention pour une raison ou d'autres zones infectées, comme ça nous capables, depuis la même, finir connaître qui nous faisait faire avec eux. Et justement, en lien avec le cluster Wastewater, l'hôpital ENT se retrouve avec une famille entière en traitement après avoir été contaminée à la COVID-19. Une petite fille de 8 mois, sa mère, son père, sa sœur de 7 ans et sa grand-mère, tous positifs. Le bébé 8 mois avait été conduit à l'hôpital de Flac alors qu'elle faisait de la température. L'enfant et sa mère sont dépistés et placés en isolation. Entre-temps, le papa reçoit ses résultats du PCR. Esdine Sikarda, employé du Wastewater Management Authority, est positif. Il témoigne ce soir. Moi, j'ai dit à soi, mon sentiment n'était pas bien. Mon fille fait que le thème soit zoul. Mon roi de la carte, mon sentiment pas bien. C'est vrai que mon roi de la carte, mon fédéral, quand je suis là, on me boit, on dormi. Ce vendredi, quand matin, on parle dans le travail, moi. Le fait samedi, dimanche, c'est on parle dans le travail. Lundi, c'est dans le travail. Qui nous a dit, on s'est fait attester. Ça, c'est spécial là. Mais en même temps, les infinités à test là, tu viens nous à la case qui nous pourrait un résultat après, le BFM ça est l'année. C'est à mon à la case, parce que même fait, même la case, moi, j'ai un peu comme ça, tu bébé 8 mois, il n'est pas bien. La fièvre, la fièvre, peut-être moi, je suis monté, bébé 39, 39, 40. Vous allez peut-être connaître, il dit déjà fait de la fièvre une fois, mais nous ne pouvons pas quitter ça là, parce que nous ne pouvons pas connaître, nous avec Covid, nous ne pouvons pas connaître, nous sommes à 10h30, voilà. Ben, on a fait test Covid là, ben, seulement des mois comme ça, M. Sikarda, on testait positif. Mais nous faisons des mois, tout le monde prend, on est en tout même là. Qui m'ont pas tu connais, c'est vraiment difficile de finir contaminé en ce moment. Mais ça test spécial, d'après Wastewater, tu as fini de faire depuis avant ça. Parce que l'année passée, quand tu finis le confinement, test spécial là, tu finis de faire des suites. Dans ma famille, là, moi, mon madame, mes enfants, mon maman, mon madame, comment elle rentre là-bas, dans l'hôpital Flap,
Et vous l'aurez compris, le ministère de la Santé lance un appel au public en général et demande à tous ceux qui pensent ayant été en contact avec le personnel de la WMA qui ont effectué des travaux dans les régions de la capitale ces dernières semaines d'appeler sur la hotline de la santé le 89 24. Nous avions parlé de son vécu dans une édition de l'Info Soirée. Nilam, enceinte et positive à la Covid-19, attendait alors son bébé. L'heureux événement s'est produit le 20 mai dernier. Nilam a donné naissance à un petit garçon, Ismail, testé négatif hier. Elle souhaite regagner le foyer familial le plus vite possible afin que son époux puisse tenir leur fils dans ses bras. Tout va bien. Monsieur Zorin, tout me passe bien, il y a un bébé tout bien. Je viens d'accoucher un bébé petit garçon. J'aime la santé de mon bébé correct. Hier, je me suis testé, aujourd'hui, mon réponse est négative. Mais le matin, je ne sais pas quoi, je vais faire mon résultat de tantôt. Et sinon, comment on peut faire? Comment on peut communiquer avec le monsieur? Comment ça peut passer? On peut communiquer par WhatsApp toujours, causer, dans ce passé même temps. Quand fini, je fais yes, mais de qui n'envoie les pas pour t'amener à envoyer les photos. Puis attends, il y a pas de chance, c'est bien attendre, quand il vous prend ce bébé dans les bras. Vous me connaissez au troisième enfant, c'est comme dire, première fois qu'il peut accoucher, ou tout seul, peut dans la famille, non? Oui. Tu m'as fait triste. D'habitude, comment tu étais avant, hein, quand tu accouches ou des enfants? Contentement, tu fais une gaieté, toujours, tout ensemble. Et la campagne de vaccination pour les personnes âgées est tendue jusqu'au 1er juin prochain. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le ministère de la Santé. Initialement, cet exercice qui avait débuté le 20 mai dernier devait prendre fin aujourd'hui, mais les autorités ont décidé de l'étendre de 6 jours. Ainsi, ce jeudi, la campagne de vaccination se tiendra de 9h à 15h30 dans les différents centres dédiés à travers l'île. À noter que les senior citizens doivent se munir de leur carte d'identité. Les 15 428 écoliers ayant pris part aux examens du PESAC prendront connaissance de leurs résultats demain. Protocole sanitaire oblige, les parents d'élèves devront récupérer les result slips selon un système d'ordre alphabétique de 9h à 10h30 pour les AAL et MAZ de 10h30 à 11h30. Elodie Domaine est en studio, bonsoir. Bonsoir Chivani. Le ministère de l'Éducation a mis un dispositif spécial pour les parents en zone rouge. Les parents résidant en zone rouge pourront récupérer les résultats de leurs enfants dans les écoles se trouvant dans ces mêmes zones. Par contre, pour ceux qui résident hors zone rouge et dont les écoles se trouvent en zone rouge, les résultats seront acheminés vers les écoles les plus proches. Ce sont les coordinateuses du ministère de l'Éducation qui seront chargées de transporter les result slips. Ils pourront, grâce à la police, circuler entre les zones dites rouges et vertes pour cet exercice. Seuls ces officiers pourront manipuler les enveloppes contenant les résultats, à savoir que tous les membres du personnel engagés dans l'exercice ont déjà été vaccinés. Les candidats aux examens du PESAC devront être accompagnés de leur responsible party seulement. Les accès seront donc strictement contrôlés avec prise de température à l'entrée. Le port du masque et la distanciation physique restent de mise. Chivani. Elodie Domaine, merci pour toutes ces précisions. Et les résidents des zones rouges, aussi les parents qui ne veulent pas se déplacer physiquement pour l'exercice d'inscription dans les collèges du CEDEC pourront le faire en ligne et via email. L'inscription en ligne sera ouverte ce vendredi 28 mai de 9h à 15h. Et pour les parents qui souhaitent se rendre au collège de leur choix pour l'inscription, je vous rappelle que cet exercice se fera par ordre alphabétique. AAF de 11h à midi, GAN 13h à 14h et OAZ entre 14h et 15h. Et bonne nouvelle pour les entreprises situées dans une zone rouge et les particuliers qui y travaillent. Si vous n'avez pas pu opérer ou travailler pendant ce mois de mai, vous pouvez solliciter une aide financière avec la Mauritius Revenue Authority, une décision du gouvernement ce mercredi qui s'applique toujours dans le cadre du Wage Assistance Scheme et du Self-Employed Assistance Scheme. Les personnes concernées devront faire leur demande via le site web de la MRE et fournir un justificatif de domicile, à savoir que cette aide financière concerne également ceux opérant dans le secteur touristique et ceux engagés dans des jeux du hasard comme les bookmakers.
Un affaire nous bien considérer, c'est qui ban shopping malls, hypermarket, supermarket, ban superette, poultry, fish shops, tout ça ban catégorie là, zot qui capable d'opérer dans red zone, c'est-à-dire ça ban des gens qui opèrent ça ban business là, zot pas pour endroit pour ça ban scheme ça, mais ban qui opèrent ban les autres activités, nous dire par exemple un électricien ou bien un des gens qui opèrent un atelier mécanicien. Lili pas capable d'opérer dans Red Zone, Lili pour endroit pour apply pour ce self-employed assistance scheme. À partir de quand je suis capable, comment enregistrer ce site? C'est une question de jour maintenant, nous pour développer et nous mettre les disponibles sur le website. Mais entre-temps, il y a un peu autant qui nous dit ça, nous attire l'attention du public qui, ben self-employed qui dans le secteur touriste, je ne sais pas bien réapply. C'est seulement ben qui dans Red Zone qui bien réapply. Je vous retrouve après la pub. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer, Tara. Spreading the joy of good food. Le Computer Room au centre de dépouillement dans la circonscription numéro 14, au centre des débats en Cour suprême ce matin. Dorma Jay Malou, Chief Electoral Officer, de même que Azam Niroua, Returning Officer au numéro 14, ont été auditionnés par les avocats du parquet et de la défense, soit Maître Priya Ramjiwan Varma et Maître Gavin Glover. Ezra Djabou demande un recomptage des bulletins dans sa pétition. 185 vote le CEPA avec le troisième élu, soit le PPS Prakash Ramsaran. Interrogé, le candidat battu du Parti travailliste dit espérer que toute cette affaire soit tirée au clair. La séance était quand même relativement longue, donc mon contre-interrogé par mes avocats et aussi l'avocat du parquet. Vous pensez qu'il est très bien passé. Maintenant, vous procédez une semaine, nous commençons à nous faire une submission finalement, nous trouvons la lumière au bout du tunnel, c'est cette grande, ce grand mystère des élections générales et de la contestation. Qui fait mauvais contester cette élection? Je ne pas dire qui vindicatif, du monde qui connaît, je ne pas dire qui gros cœur par rapport à ce qui ne passait. Je ne pas contester cette élection pour faire la lumière sur le déroulement, sur le processus démocratique. Et la manière fait que vous ne bien connaît. Au fait, vous pouvez demander un recounting. Vous pouvez demander simplement un partial recounting, c'est tout. Je ne pas voir, hein, tous les candidats. 85.35% de différence entre moi et le quatrième candidat. Et le troisième candidat, pardon. Yes. Et là, quand prochaine course, vous avez revenir la course. C'est dans une semaine. Bon, le principal aspect, c'était le grand mystère sur ce computer room. Là, vous connaissez, plus une élection est transparente, moins on a de problèmes. Et quand vous venez grand matin, pour le jour du nomination day, donne-nous un letter of information to the candidate, pas faire mention whatsoever de sa computer room, là, qui peut arriver là-dedans. Quelle est la forme légale de ce computer room là? Qui dit qu'on a un droit à faire, qui dit qu'on n'a pas un droit à faire? Donc, tout ça là nous peut éclaircir, nous peut essayer de trouver la raison d'être de ce computer room, si raison d'être il y a. Arrêté ce matin, le jockey Rai Jurawan, libéré après avoir fourni une caution de 10 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Une accusation provisoire de Breach of Quarantine Act a été logée contre lui. La police reproche à Rai Jurawan d'avoir assisté aux funérailles du jockey Nouresh Jaglal le dimanche 16 mai dernier à Sainte-Croix. Il ne disposait d'aucune autorisation à cet effet. Plusieurs interpellations sont à l'agenda dans le cadre de cette enquête. Plusieurs blessés, dont deux graves, après une collision entre deux fourgonnettes sur l'autoroute M3 à Valentina Phoenix. Deux passagers sont restés coincés à l'intérieur des véhicules et les pompiers ont dû intervenir pour les extirper. Les blessés ont été conduits à l'hôpital Victoria pour des soins. Cet accident a créé un embouteillage monstre sur cette tronçon de route.
Une habitante de Livia de 62 ans arrêtée pour escroquerie hier. Elle aurait déplumé deux habitantes de l'Est d'une somme totale de 352 000 roupies. D'abord, elle s'est fait passer pour une femme d'affaires importatrice de vêtements de marque. Elle aurait aussi fait accroire à une des victimes qu'elle pouvait investir dans sa compagnie en échange de gros profits. Elle a ensuite promis une maison de la NHDC à sa deuxième victime. Arrêtée, elle est passée aux aveux et a été placée en cellule policière en attendant son inculpation provisoire. Parlons sport à présent. Les Mordus du ballon rond auront droit à une affiche inédite. Place ce soir à la finale de la Ligue Europa opposant Villarreal à Manchester United. Sur papier, les gars d'Ole Gunnar Solskjaer, dauphin de Manchester City en Premier League, partent avec les faveurs des pronostics face au sous-marin jaune, 7e de la Liga. C'est vrai de titres depuis 2017 et de leur dernier succès dans la compétition sous les ordres de José Mourinho. À l'époque, les Red Devils entendent bien se servir de ce match pour prendre date et afficher des ambitions encore plus élevées. En face, Villarreal disputera sa première finale de son histoire. Les Espagnols possèdent dans leur rang une arme fatale en la personne d'Unai Emery, le technicien et l'entraîneur le plus profilique de la compétition, ayant soulevé la Coupe à trois reprises avec le FC Séville en 2014, 2015 et 2016. Amoris, la confiance est de mise du côté des fans mancuniens. Il est d'ailleurs bien rare de voir se manifester un fan de Villarreal. Jour J, enfin la finale d'Europa, le match qu'on attend depuis un moment maintenant. Et, mon pronostic, c'est que, bien sûr, en tant que fan de Manchester, on ne souhaite que de gagner cette coupe hein, ce soir. Par contre, ça va être un match très difficile. Je suis sûre que Villarreal va se donner à fond. Et quand nous sommes déjà qualifiés pour la Ligue des Champions, mais eux, étant donné qu'ils ont fini 7e, ben, ils vont vouloir gagner la Coupe pour aller en Ligue des Champions. Mais on y croit jusqu'au bout. Et je suis sûre que Ole va ramener son équipe à la victoire. On croit en ces jeunes, on croit en notre équipe. Et go Manchester! Nous avons des joueurs compétents sur tous les compartiments du terrain. Quand je parle de l'effectif, je ne parle pas uniquement des joueurs, mais aussi du coach. Il va prouver qu'il a les bonnes tactiques et qu'il aura pensé à toutes les éventualités possibles et imaginables pour qu'on puisse gagner et soulever la coupe. Deuxièmement, grâce à la faim et la détermination des joueurs, ils ont envie de soulever un trophée avec ce coach et avec les joueurs autour d'eux, parce que ça se voit qu'ils ont du plaisir à jouer et qu'ils ont faim, ils ont vraiment faim. Cela a été prouvé grâce au comeback durant toute la saison. Ils ont renversé des scores pas possibles. Un événement culturel à venir, pas de concert en salle ni en plein air, Covid-19 oblige, mais un festival qui va vous ravir et ce qui vous est paré, festival, le premier concert en ligne lancé par Moticam, prévu ce samedi 29 mai. En l'espace de quelques semaines, a vu le jour la plateforme Moticam qui donnera lieu à un premier concert en ligne. L'objectif, donner de l'essor à ce secteur en Berne, mais aussi proposer un spectacle divertissant au public friand de concerts. La plateforme Moticam qui a vu le jour suite à la rencontre entre Elvis et Rosso, musicien et directeur artistique, le chanteur Black Ayo et le graphic designer Blaze Thompson. L'événement préenregistré sans public sera diffusé par la suite sur un groupe privé Facebook. Un lien à travers la plateforme crowdfund.mu sera aussi mis en place pour l'occasion en soutien aux artistes. À l'affiche de cet événement 100% local en ligne qui se tiendra le 29 mai à 19h, vous retrouverez Black Ayo, Justice, Clarelle Armel, Lindsay Babot, Jason Ira, Nancy Desrougères, Mario Justin, Jason Lejuste, Lion Vibe, Bruno Raya, The Prophecy, Authentic Groove, Zanza Cordoun sera le maître de cérémonie de l'événement. La contribution est de 150 roupies par personne. Il nous explique comment faire pour assister au concert. Vous rappelez que c'est la première édition et puis il y en a d'autres encore à venir. Alors, comment faire pour capable assister à ce concert? C'est simple. Là, vous pouvez donner un numéro pour être capable de jouer. C'est-à-dire le numéro là, les 5 716 58 18. Rappelez bien 5 716 58 18. Vous voyez où 150 roupies là, si vous restez Maurice, vous voyez où 150 roupies là. Ensuite, vous scrivez un ticket, Wallo Moticam.
Allo Moutikam, là-bas où pour gagner un link, que tout pour capable assister au concert. Donc, si on va faire pour nous, c'est-à-dire s'il y a 5-10 personnes dans la famille, permet ou 5-10 personnes dans la famille, 10-10 personnes dans la famille, accéder à ce concert-là, passer un bon moment convivial en famille. À ce stade-là, si vous faites partie de la grande famille diaspora, c'est simple. Ou appelle NN PayPal, ou appelle ça Send Money. Justement, rappelle bien ça chiffre là. 10. Alors, dans certains pays où servir livres sterling, donc vous mettez 10 livres sterling dans certains pays euros, ou mettez 10 euros dans d'autres pays 10 dollars, et selon vos currency, wal le sa Send Money là. Là aussi, pareil, vous voyez vous récit, et vous récit, wal le moticam, vous pouvez gagner un link qui vous permet d'accéder au concert. Et ce soir, vous êtes nombreux qui ont les yeux rivés vers le ciel à la recherche de la super lune à l'occasion d'une éclipse lunaire. La première éclipse lunaire totale depuis 2 ans aura lieu ce soir, en même temps que la lune sera positionnée au plus proche de la Terre sur son orbite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.